S'il y a des témoignages, levez le doigt, viens ma soeur. S'il y a des témoignages, vous lèvez justement vos doigts. De l'impact du ministère du prophète Crassos sur votre vie. Sur votre vie, vous approchez. Ceux qui ont été guéris au travers de la télé, au travers du YouTube, au travers qui ont été délivrés, vous venez tranquillement vous rendre témoignage. Dépêchez-vous. Ça va? Comment tu t'appelles? Nico. Nico. J'ai commis l'erreur de ne pas venir moi-même un micro. Ça a été une erreur qui ne va pas. Je me suis dit, mais c'est l'erreur de couper un micro. Nico, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, c'est Angeline Mida. Je suis camerounaise de nationalité américaine. Je viens de Georgia. Je vais donner un témoignage pour moi. J'ai été guérie. Ils n'entendent pas là-bas. Excuse, je vais parler un peu plus. Je vais donner un témoignage comment j'ai été guérie à travers le YouTube. Je suis allée en ligne, comme d'habitude, quand je n'ai rien à faire, pour voir des films nigériens. Et j'ai donc tapé African Movie 2017. Et à ma droite, j'ai vu une vidéo. Et le titre était Prophète Joël Grassos. Je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais vu. Jamais entendu parler de lui. Donc, il était un des un morceau prophétique dans son église. À Saracourt. Donc, je me suis mise aussi à chanter. Pendant que je chantais, j'ai été remplie par l'Esprit Saint. Et l'Esprit m'a demandé, j'ai été guidée par l'Esprit de poser ma main droite sur mon sein gauche pour la messe. Ah non, c'est toi? Oui. Oui, mon père. Waouh! Je me disais, on allait se rencontrer un jour. J'ai cherché sur le YouTube. J'ai pas fait les statistiques des pays. Parce que chaque jour, le YouTube est dans le nom des pays. Et tu me suis. Et ce jour-là, il était à 214 pays. Je clique, je vois une dame qui dit, ah, j'espère que ce n'est pas un juge cette fois-ci. Parce qu'on m'insulte tout le temps. Et j'ai écouté le témoignage. Waouh, ça m'a édifié. Ça prouve que Jésus-Christ est Jésus-Christ est Seigneur. C'est Angélique, c'est ça? C'est Angélique. Ok, poursuis ton témoignage. Donc, quand j'étais guidée par l'esprit de poser ma main droite sur mon sein gauche, quand j'étais en esprit, j'ai vu comme une vision un kafa qui était de mon sein gauche, qui est de ce côté et qui est tombé. Et comme j'étais en esprit en train de prier, j'ai piétiné le kafa. Il voulait me poursuivre. Hein? Et j'ai piétiné. Et quand je l'ai écrasé, il y a un truc blanc qui est sorti de ce côté. L'autre côté était une tache noire. Et j'ai essayé de faire comme ça pour voir si j'avais encore de la douleur. La douleur était partie. Et comme j'avais déjà un rendez-vous la semaine qui suivait, je ne voulais pas annuler mon rendez-vous. Donc j'ai honoré au rendez-vous parce qu'avec Dieu, il y a toujours une confirmation. Donc, je suis donc allée au rendez-vous. Et le docteur, après mes examens, il me dit, mais... Et quand je vous touche là, vous n'avez plus mal. Je dis, j'ai plus mal, mon docteur. Il me dit, c'est quoi? Je dis, je n'ai rien fait, mais j'ai été guérie à travers la vidéo d'un prophète. Il me dit, quel prophète? Je dis, c'est un prophète africain. Il me demande le nom, j'ai donné le nom et j'ai mis le nom sur un bout de papier. Et après, il a dit, ok, on va continuer comme avec les examens. J'ai dit, oui, mon docteur. Il a fait les examens et on a constaté que la tumeur était partie. Le chant dit, le Dieu d'Ali et d'Eli est plus grand et puissant sur ma lampe à ténèbres. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Je suis très heureux de faire aussi ta connaissance et de comprendre que le Dieu
d'Israël. La puissance de Jésus t'a guéri au travers des fausses vidéos. Sois béni, ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un témoignage très édifiant, c'est un témoignage. Appartement, j'ai jamais moi. Vous y allez, j'ai jamais moi. Vous y allez, j'ai jamais moi. Vous y allez, j'ai jamais moi. On l'aime pour matin au maximum. Amen. Toute la brigade en marche dans le village. Jésus. Le sorcier, je pense. Nous c'est la brigade en tout sorcier. Vous n'avez pas dû manger les gens. Si vous vous asseyez, Satan prenant le contrôle. Si l'église de Dieu se lève ici à Lyon, les mystiques sont obligés de fléchir les genoux. Amen. Parce que Dieu prie l'église. Amen. Je suis dans une ville, une région remplie de la puissance de la sorcellerie. La sorcellerie en train de fléchir les genoux face à la puissance de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas la sorcellerie, c'est la magie de quoi? Ça dit, lui mange l'homme. Ces gens de sorcellerie qu'on approche. Et on se connaît déjà, on s'est déjà vu. On s'est vu, il s'est déplacé les derniers. Bon, je remercie le Seigneur parce que notre Dieu, c'est un Dieu tout puissant. Très puissant même, parce que quand j'étais arrivé à Dio, j'ai perdu tout espoir. Et il m'a vu. En 30 secondes, déjà, il m'a posé le diagnostic. Et il m'a dit, voilà, je te donne un jeu de 3 jours. Et 3 jours, tu t'en sortiras. Et au deuxième jour, je n'étais pas là. Et je me suis fait délivrer. Tout seul, parce que quand tu entres dans le centre funèbre, tu es déjà délivré. Amen. Dans le centre funèbre, quand on entre, on est déjà délivré. Dès qu'on franchit la porte, on est déjà délivré. On n'a même pas besoin de sa présence parce que l'onction est partout et c'est consacré. Et j'ai vu beaucoup de choses et c'est une réalité parce que quand on voit sur YouTube, on dit voilà, peut-être c'est un montage, mais c'est pas un montage, c'est des trucs. Vraiment, moi j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont travaillé et je dis merci que Dieu nous prête une joie. J'ai guéri de quoi? Bon, mon diagnostic, quoi? Parce que j'étais victime d'une. Il m'a expliqué un peu une sirène des eaux. Donc on m'a attaché de la tête avec le sperme. Ça avait quel impact sur toi? Impact, bon, ça a poussé toute ma vie. Ah, c'est ce que tu dois expliquer. Ma vie professionnelle. C'est que tu as envoyé à Dibo. J'ai une entreprise qui a coulé, et une entreprise de bâtiment. J'ai réussi ma vie, et puis ce truc-là m'a gâché toute ma vie, toute ma vie. Tout est écoulé. Et voilà, il m'a dit, dès que je suis arrivé, il me dit, tu as une chance, tu as beaucoup de chance dans ta vie. Ton état brille partout, du point de vue intellectuel, tout ça. Je devais enseigner dans les grandes écoles, tout ça, mais ma vie a tout bloqué, a tout bousillé. Et là, voilà, il me dit, tu t'en sortiras, frère. Et depuis que je suis arrivé, il y a 2 ou 3 semaines, ça répare, ça répare. Amen. Ça répare. À toi, Je suis à Guimouan.
vous a dit témoignage, n'écrivez pas cette étape. On dit prophète, impose-moi les mains, s'il vous plaît. Et c'est moi, Dieu oriente. Je vous ai très bien donné mon programme. Si vous ne rentrez pas dans l'obéissance prophétique, amen. Le prophète vous a dit, il est là jusqu'au petit matin. C'est à vous de patienter. Pourquoi vous ne voulez pas patienter? Ma fille, je suis là pour vous aider. La vie, on peut le prix à payer. J'ai fini de parler. Le témoignage. Ah, famille chrétienne, Dieu merci. Je viens de loin. Vraiment loin. Je suis en faisant fonction aide-soignante. Et je touche au moins 5000 euros par mois. Il y a un an de cela, je suis atteinte du syndrome de glissement. Elle a moi. Je ne pouvais plus rien faire. Elle a moi. Non, c'est pas une maladie des os. En fait, c'est quelqu'un qui est chez soi à la maison. Tu peux rien faire. Tu peux pas te lever pour te doucher. Tu es perdu. Tu peux rien faire. Est-ce qu'on appelle ça? Oui, un syndrome de glissement. Un glissement. Voilà. Elle a dit, mais c'est quelle maladie en glissement des années. Si, si. Vous, même le ménage, vous ne pouvez pas faire chez vous. Non, vous ne pouvez pas vous doucher. C'est ce que le glissement. Oui. Oui. Voilà. Oui. Hein? Vous vous oubliez, vous n'êtes plus là. C'est des démons. Oui. Justement. Donc, il y a un an de cela, de 5000 euros, j'ai fait un glissement de 1500 euros. Et comme je suis en faisant fonction, je me suis dit, bon, je vais valider mes acquis. Je vais sur YouTube, il y a une chaîne d'aide-soignante. Je cherche, et je tombe sur Joël, non, le prophète Joël Crasson. Et je dis, bon, attends, comme j'ai l'habitude de prier seul à la maison, je suis dans un quartier vraiment éloigné, dans le 78, je me dis, il n'y a pas d'église, tu vas à l'église, la prière n'est pas là. Ici, non, je suis à Paris. À Paris, à Versailles. Oui, à Versailles, oui. Donc j'étais là, j'ai dit, bon, j'ai vu le culte de dimanche. J'ai commencé à regarder le culte de dimanche. J'étais là dans mon lit. J'ai prié. Je faisais toutes les étapes de prière avec eux sur YouTube. La même personne qui m'avait licencié, il était 16h finalement, de 9h à 16h, j'étais dans la prière. Et à 16h, la dame m'appelle, elle me dit, j'ai du boulot pour vous. Ça mérite une acclamation. La gloire de Dieu. J'ai appelé Abidjan. Et la secrétaire du prophète m'a dit, il est à Bangourou, a dit oui, à Divo, et la secrétaire m'a dit, il est à Divo, et non, à Bangourou. Ah, ça c'est récent. Oui. Le 10. Oui. Elle m'a dit, il est à Bangourou. J'ai dit, d'accord, merci. Elle m'a dit, tu t'es inscrit? J'ai dit, oui. Et là, je suis arrivée hier de Paris. Tu as repris le boulot, tu as eu le boulot. Oui, j'ai repris le boulot. C'est ce que je voulais entendre. Même ce matin, le téléphone n'a pas arrêté de sonner pour que je vienne travailler. Est-ce que vous acclamez Jésus-Christ? J'ai beaucoup investi quand j'étais encore à Dijon. Tout ce que j'ai investi, ailleurs, par exemple, il y a de l'or. Ah, tu es Doumé? Je suis Doumé. Ah, et nous, on a un hôtel à Oumé, on a des hôtels à Oumé. Okay. Où on nous versait 5 millions de CFA par mois. Bah oui, ceux qui sont dans le vide. Oui, mais. C'est une société. De 25 millions de CFA, je me suis retrouvé à 1 million de CFA. Ah,
Parce que c'est une zone minière. Donc ceux qui ont des sociétés, il y en a deux sociétés de la zone. Donc c'est tout à fait normal. Et tout à l'heure, j'étais assise là, mon téléphone était chargé. Et j'ai appelé les dames, je dis, mais comment je peux charger mon téléphone? Je suis montée là-haut, je suis allée, j'ai chargé mon téléphone. Et ma mère m'a envoyé un message pour me dire qu'ils sont revenus. Les mêmes personnes? Oui. Elles sont peut-être les mêmes personnes. Ma fille, je te bénisse. Est-ce qu'on peut clamer Jésus-Christ? En regardant YouTube, c'est long, là. J'ai vu une fondation. Ah. Avance. Oui, et la fondation que j'ai vue, franchement, je n'ai rien à dire. Je crois que je fais partie de cette fondation. Alléluia, que Dieu te bénisse. Dieu est puissant. Ça nous édifie nous tous. Amen, amen. Amen. Je salue mes frères et sœurs. Amen. Sois béni. Tout à l'heure, et pourtant moi je priais beaucoup, je prie beaucoup et je suis une servante de l'Éternel. Amen. Mais tout à l'heure, en voyant le prophète, quelque chose m'est venu comme ça. C'est comme si c'est de la haine. Subitement comme ça, j'ai dit, mais je le regardais, c'est comme il est devenu comme un... Moi, je ne sais pas comment expliquer. Mon tête s'est transformé trois fois. Million, montait et 10 000. Et j'ai vu que sous fond de cagoule, on avait posé au bout du visage. Ça, c'est l'esprit de mon père, parce que il a tous ses esprits. Quand il était mort, okay, il avait tous ses esprits que je... L'accent là, c'est quoi là? De Centrafrique. Là, Centrafrique. Oui. Super. Je serai très bientôt à Bangui. Moi, je viens là-bas bientôt. Ah, ça sera vraiment plus... Parce que mon père, il a fait la guerre. Quand il était mort, il y avait tous ses esprits. Parce que chez nous, quand une autre personnalité meurt, il faudrait qu'on récupère ça. Et en récupérant, parce que moi, je ressemblais trop à mon père. À chaque fois, il me dit, il mord ses dents. Ah, mais si tu serais un homme. Et là, je suis plus qu'un homme. Parce que moi, d'habitude, je ne tape que les hommes. Je ne tape pas les femmes. Je tape les hommes, je ne tape pas les femmes. Comment? Non, je te frappe. Et en frappant tout, j'ai déjà gâté mon frère. Donc, là, je comprends. Waouh. Je croyais que cet esprit était déjà parti. Parce que j'étais trop nerveuse. Trop nerveuse. Faut pas, quand tu apprends quelque chose de moi, ne me dis pas. Parce que si tu me dis le dégât que je vais commettre, tu vas le regretter. Donc, j'ai verser tout l'eau par terre. Donc là, je suis en train de ramasser les morceaux pour accommoder. Parce que j'ai tout perdu. À cause de bagarre, à cause de mauvais esprits. Voilà. Hein? Comme mon père m'aimait beaucoup, donc il a mis ça, tout ça sur moi. Moi, je ne savais pas. Donc, regardez une belle femme comme ça, qui n'a même pas de mari. Donc merci à Dieu, parce que quand le prophète priait tout
à l'heure, j'avais senti une chaleur de mes oreilles et de ma tête. Wow. Ça brûlait, ça brûlait, ça brûlait. Mais je sais que Dieu m'a guéri. Alléluia. Amen. J'ai délivré. Vous les garçons, même pas bagot. Satan, il arrête à attraper. Ça dit, tu es mort. Alléluia. Bon, moi. Dieu t'a délivré. Moi, je vais toujours faire des témoignages, même si c'est 100 fois, 1000 fois, amen. Je vais toujours parler. Merci. Oui, je te bénisse, ma soeur. Merci. Merci. Elle est déjà venue deux fois. À Dibo. Et on s'est bien rencontré, je crois, deux fois aussi au Togo. Au Togo. Ouais. Donc, depuis 32 ans que je suis en France, j'ai été opéré 25 fois. C'est pas ce que je dis. J'ai eu toutes les maladies, cancer, et comment on appelle ça, et mémoire, pieds, genoux, accouchement, c'est toujours, il faut déchirer à quelque part. Pour moi, je pensais que. C'est le hasard. Si elle vous montre son corps, mon corps, vous allez rester tranquille. Ah oui. Et c'est comme ça que moi aussi, Dieu m'a dirigé, je regardais YouTube. Non, j'ai juste allumé mon ordi. J'étais musulmane. Et j'ai juste allumé mon ordi pour me demander sorcellerie, c'est quoi. Ah, tu as trouvé réponse. Et puis je vois aligner les prophètes. Dieu me guide, je clique sur les vidéos de prophète Joël Prasso qui dit la curiosité, je vais regarder. Mais je regarde, je vois des gens qu'on n'a pas frappés, qu'on n'a pas invités, on ne s'est pas forcé, qui dit j'ai mangé, c'est quand j'ai mangé, je sais pas. J'ai dit c'est vrai ça. Non, attendez, ça c'est vrai. Non, là, c'est des conneries ça. Ou bien ils ont été saoulés. Mais là, Dieu me dit, prends le téléphone. Je téléphone, je n'arrive pas. Et j'arrive à la voir sur Skype. Et je lui ai montré 2 kilos de médicaments que je prends par mois. Donc tous les médicaments, et cholestérol, c'est-à-dire c'est moi qui suis abonné. Voilà. Et je contacte et il est parti sans le connaître. Enfin, on s'est vu sur Skype et il est parti au Togo. Et il m'a appelé que je suis au Togo. J'appelle mon neveu. Va vite, va me faire venir chez moi s'il peut vraiment à genoux, toi devant lui. Et tous les jours, mon neveu s'en va, il n'a jamais eu le temps. Mais lui voulait tellement que je ne sais pas de que mon prophète a vu. Il lui a remis une bouteille d'huile. Amen. Et le petit a pris l'huile, il est allé égarer ça à la maison. Moi, je quitte ici, je rentre au Togo. Je dis, mais tu m'avais dit que le prophète t'a donné l'huile. Donc, je vais essayer. Donc, avant, quand je dors, je me réveille fatiguée. Le corps qui fait mal, malgré tous les médicaments. Et c'est comme ça que j'ai pris l'huile, j'ai passé sur moi. Le lendemain, je me suis sentie tellement bien. Et ma maman souffre aussi pareil. Depuis que moi je suis malade, ma maman est malade, mon jumeau est mort. Qu'est-ce que c'est? J'ai amené plus de 12 personnes en Europe. Désolé, hein, les Français. Désolé. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai pris l'huile. Je passais à ma maman qui était souffrante. Et ma nièce était à côté. La nièce était à côté, elle était couchée, c'est au moment de BPC. Pour moi, elle est fatiguée des études. Mais je me retourne, je dis, ben, ma nièce, lève-toi, tu vas aller te coucher sur un matelas. Elle ne me répond pas, mais j'entends un bruit. Comme si quelqu'un s'est levé, il est retombé. Ben, je continue de masser ma mère. Après une seconde fois. Vous avez bien saisi? Vous comprenez? Elle masse sa maman. Je masse ma mère. Elle a une nièce à côté, chancière. Il va voir, elle est fée.
Ah oui, il faut comprendre comme ça. Voilà. Et moi, je finis de masser ma mère, je sors, je vais déposer la bouteille d'huile dans ma chambre et je sors vers 16h. Je reviens, ma nièce est déjà devenue aveugle. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est pas aveugle de 2h. Aveugle de 3 jours. Ouais. Maintenant, moi, je vais, j'ai oublié que c'est l'huile. Moi, je ne peux pas penser que c'est l'huile. Je vais chercher les gouttes qu'on m'avait prescrit ici. Là. Ah, attends, c'est la poussière. Je lui mets dans les yeux. Avant, les yeux étaient ouverts, elle ne voyait pas. Maintenant, moi, je mets les gouttes, tout se ferme. Je l'amène chez le neurologue, peut-être, j'ai dépensé plus de 400 000. Je prends l'huile maintenant, je lui passe sur le corps. Le corps se paralyse. Tout le corps s'est paralysé. Ah. Et c'est là que j'ai dit, c'est quand je lui passe l'huile maintenant, elle me dit le feu, j'ai dit, ah, ça c'est l'huile là, ça. Ça c'est ça. Toi dis, maintenant que j'ai dit, tous les dents se sont serrées. Donc, vous voulez faire comme le prophète, l'arracher les aveux. Et voilà quoi. J'étais trop forte, mais pas assez. Donc, du coup, on a cherché les musulmans pour prier pour la fille. Les yeux sont ouverts, mais le corps est resté paralysé. Elle est restée un mois à l'hôpital. Et depuis ce jour, moi, tant que je gagne, maintenant je suis plus comme avant, mais Dieu est là, Jésus est là, je sais que je reviens. Amen. Maintenant, partout où moi j'entends que le prophète est, même si moi je vais marcher à pied, je viendrai. Amen. Et que je prie que Dieu me garde en bonne santé. Amen. L'Afrique a une richesse. Amen. Prions tous qu'il ait la longévité, la santé. Amen. Amen. Merci. Et je suis chrétienne 100%. Maintenant, elle s'est convertie. Est-ce qu'on peut aimer Jésus? Vous voyez, c'est que la puissance de Dieu était faite. À vous de juger. Elle est devenue chrétienne. Amen. Un pécheur ne peut jamais amener une musulmane à la chrétienté. Jamais. C'est le fruit, le résultat. Ça va mener à la conversion. J'ai toujours dit aux gens, les musulmans, vous voyez là, tant qu'ils n'ont pas eu la puissance, ils ne vont jamais venir à l'église. Jamais. Ne vous blaguez pas, Jean 3, verset 7. Bienvenue les mains, bienvenue les filles. Donc, mes soeurs et frères, je ne fais pas de la publicité pour le prophète Kasso. Dieu lui est déjà fait la publicité parce que ce Jésus est Seigneur. Amen. Ma fille, gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut clamer Jésus? C'est à lui seul la foi. Pour tout ce que vous venez d'entendre ce soir, c'est lui l'auteur des miracles. Grâce à laquelle est l'instrument de la main de Dieu, n'est-ce pas, en train de pouvoir guérir et délivrer sa personne. Jésus-Christ, s'il vous plaît, nous nous tenons des vœux pour acclamer, acclamons notre Sauveur, l'auteur des miracles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Une minute. On a fini avec les. On va revenir après la lecture. Venez. La sorcellerie t'a floré, c'est-à-dire ça t'a flotté. Alléluia. Amen. Quand j'avais connu le prophète, c'est quand il était venu ici à 2 ans. Ça fait aujourd'hui 1 an ou 2 ans. Mais non. Vous l'avez gagné. 1 an. 1 an. L'année dernière, c'est 2017, un an. Et mon gros problème, c'est que quand j'allais au travail, j'avais une collègue qui voulait ma place. Et elle est ivoirienne. Donc un jour, j'étais malade, j'étais hospitalisée, elle est allée voir mon chef. Elle a dit à mon chef, je veux sa place.
je suis agent administratif, elle est l'agent d'entretien, donc aucun rapport. Et tout le temps, elle dérangeait mon chef. Je veux sa place. Mais quand j'étais revenue au travail, elle m'a dit, je vais te montrer, tu vas voir. Tu es revenue, j'ai dit, pourquoi on n'a rien en commun? Donc, on a continué. Elle est venue me donner un gâteau un matin. J'ai refusé de manger le gâteau, mais je n'ai pas jeté, puisqu'elle était encore là. Elle revient, elle me dit, tu as mangé le gâteau? J'ai dit, j'ai fini, c'est très bon. Où est-ce que tu as acheté ce gâteau? Parce que moi, j'aimerais acheter le même gâteau. Elle me dit, c'est bien comme tu as mangé. Après quelques temps encore, elle m'amène la tenue, le kabangondo, comme chez nous. Elle vient me donner. La tenue africaine, elle me donne. Et j'ai pris, mais j'ai gardé. Je n'ai jamais porté. Mais là, un jour, j'ai pris le bus avec elle. Elle avait des trucs, elle a pris son sac, elle a mis sur la paume de sa main. Mais je n'ai pas fait attention. On arrive au travail, je vais à mon bureau, je m'installe. Tout d'un coup, elle arrive, je sonne, je me mets à dormir. Et puis, elle frappe mon dos. Trois fois en appelant mon prénom. Elle appelait mon prénom trois fois. Et elle s'est mise à danser et elle est partie depuis ce temps-là. Je suis comme ça. Donc, je me suis dit, je n'ai rien fait. Je suis allée sur YouTube, j'ai dit toi et moi. Et quand on est malade, même si on vous dit de manger un caca, vous allez manger. Il y a des gens qui m'ont conseillé. Une deuxième personne qui était une prophète, soi-disant, c'est après que j'ai compris qu'elle était prophète et qu'elle délivrait les gens. Moi, je suis allée là-bas. Quand je suis allée, j'ai dit que ce culte qu'on commence à 14h, on finit à 22h. Alors j'ai commencé à aller, mon mari me dit... Quel est l'impact du ministère? L'impact du ministère, c'est que... Ton témoignage. Depuis que je suis sur YouTube, je ne dors pas. Je commence à dormir, je me réveille à minuit, puisque c'est écrit, il a dit... Il faut pas dormir. À minuit, il faut se réveiller. Bon, donc, ça dépend des prières. Sinon, je me mets 3h30, la prière de l'Europe. Okay, jusqu'à 4h. Donc, moi, je prie. Donc, la première personne, donc ma collègue, quand je priais, et un jour, je revenais du travail, elle m'a encore attaqué. J'ai appelé le prophète. Il était déjà à Abidjan. Donc, étant à Abidjan, il y a le pasteur qui m'a dit, tu es où? J'ai dit, je suis là. Est-ce que tu peux t'arrêter? J'ai dit, oui. Il dit, arrête-toi là, on va faire une prière. On a fait la prière, plus rien. Le lendemain, j'arrive au travail, elle me voit, elle fuit, elle prend ses affaires, elle s'en va jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus revenue. Allez! Elle n'a pas repris le travail. Bon, la prophète aussi, ivoirienne, je ne sais pas ce que j'avais. Oui, je me veux là. Non, laisse la prophétesse. Et moi, je ne suis pas son nom. Le peuple qui fait une comparaison, qu'on est le prophète le plus puissant qui est. Je vais éviter ça pour le témoignage. Donc, quand j'ai vu que le prophète allait venir, je me suis mise à danser. Tchac, 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 tchac. Je danse le matin, je danse. Comment on danse? Tchac, 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 tchac. Donc, je continue la prière. S'il vous plaît, mon donné, n'oubliez pas ça. On va préparer. Amen. Même de Marie, on va préparer. Donc, à la maison, ça n'allait plus. Au travail, rien n'a fait. Tout le monde était contre moi. Mes enfants me disent, arrête maman. Tu es malade, on ne t'a rien fait. J'ai dit, j'étais occupée. Ouais, parce que vos enfants qui sont nés ici sont des blancs. Ah oui, des blancs. À ce culte-là, elle me dit, ferme les yeux. J'ai fermé les yeux et tout d'un coup, j'entends paf au niveau des reins, comme si c'était un mur qui était tombé. Et moi, je n'ai rien dit, j'ai continué la prière. J'ai dit, prophète, lève-toi. Lève-toi.
lève-toi parce qu'il faut sauver ta fille. Je dis lève-toi s'il te plaît. Je pleurais la nuit du C'est Jésus qui doit prier. Oui, mais vous savez, quand vous êtes dans cette situation, vous ne savez plus. Mais c'est dangereux, c'est pas là que tu as créé en moi Jésus. On ne peut pas. Mon prophète, on ne peut pas. Non, je t'enseigne ça aujourd'hui. Oui, Jésus est avec nous. Oui, mais il est avec nous, mais lui, il est très, très jaloux. Amen. Ça ne se partage pas ça. Amen. On se trompe comme si tu m'aimes bien, ne te trompe pas sur ce côté-là. Je vous adore. Merci. Non, aimez. C'est la même chose. Non, pas la même chose. C'est ça, mon frère. Je le viens de loin. Oui. Donc. Donc. Le téléphone a sonné tout à l'heure. La personne me dit, sors de là où tu es, rentre. Oh, je devais venir avec ma tante qui devait venir m'accompagner. Elle a eu un accident. À l'heure du départ, elle est tombée et ses lunettes sont rentrées dans l'œil. Donc elle ne pouvait pas revenir, elle ne pouvait pas venir. Et entre temps, j'ai cherché aussi ma pièce d'identité pendant une semaine. Je l'ai retrouvée, j'ai dit, je vais le trouver. Jésus, je vais le trouver. Montre-moi où ça se cache. Et tout le temps, c'était le ventre, le dos. Et je frappe à l'onction, je mets dessus, je dis dégage. Tout le temps. Je me suis rasé, je ne supportais plus les cheveux. Tout le temps, ça marchait dans la tête là, au cerveau. J'ai dit, tu te trompes, tu vas partir. Donc, aujourd'hui, grâce aux prières, parce que mon décès était programmé, grâce aux prières de Jésus et du prophète. Grâce à Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, je suis vivant et je suis délivré par mon fils. Je vous rappelle que je ne suis pas sorcière. Ils le savent déjà. Ça a été déjà bien expliqué. Amen. Tu as vomi? J'ai beaucoup vomi. Tu es délivré. Amen. Allez-y. J'entends le donner. Beaucoup mené. Elle était mamie, tu n'as pas de souci. Mais tu as mangé le donner. C'est trop propre nourriture. Je négligeais ça, mais le jour j'ai mangé de la Paris. J'ai cherché ça les gens. C'est la vérité. Moi, je suis tout africain. On a des vrais nez. Amen. Ah oui. On mange trop bio, c'est bon. Je veux me donner des mains. Yvonne, une dorée à Toulouse. Fais-moi une dorée et je vais manger par la croisade. Vous allez voir comment on va chasser les démons. Je salue le peuple camerounais qui est au Bénis. Leur affaire du prophète Rasso, tout dedans. Amen. Ah oui. Que Dieu bénisse. Tous les Camerounais se sont investis dans mon ministère. Discrètement, ils ne veulent pas qu'on lui les noms, mais chaque fin du mois, il m'a fait au moins minimum 400 000 francs pour me soutenir. Amen. Dans le secret. Ça vient de l'Allemagne. Ça vient de la France. Amen. Voilà. De la Suisse. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, Yvonne. Tu fais aussi partie des gens qui soutiennent mon ministère. Que Dieu te bénisse. Je m'appelle Assietou, mais tout le monde m'appelle Assietou. Je viens de la Suisse. Super. Depuis 30 ans. Quelle ville de la Suisse? Oui. Quelle ville de la Suisse? Basel. Ah, Basel. Oui. Ah, je connais bien la ville. Bon, je viens de Basel depuis 30 ans. Je suis là-bas. Vous parlez l'allemand là-bas? Oui. Je m'excuse, je ne parle pas bien le français. Mais là-bas, vous parlez l'allemand? Yeah, oui. Si, si. Yeah. Alors, depuis l'âge de 22 ans, je suis là-bas et j'ai grandi là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu l'argent, je voulais investir dans mon pays. C'est où le pays? La Guinée. Wow. Guinée-Conakry. Je n'habille pas, je ne suis pas comme tout dans les bijoux, les quoi.
je regarde toujours ma famille, je veux réaliser au pays. Et je vais, je paye le terrain, je perds. Et dans quelle ville? Je suis née à Domia. Ok. Ouais. Vous êtes la forêt? Non. Je connais bien chez vous. Voilà. Je connais un peu la Guinée, la forêt, un peu jusqu'à à Conakry. Ouais. Ben, je vais, dès que j'ai l'argent, je cours, je rentre, rien. Tout l'argent s'envole. Quelle bêtise j'ai fait encore, j'ai pris ma maman, je l'ai envoyée à la Mecque. Il ne fallait pas. J'ai envoyé ma maman à la Mecque, je vais la visiter, j'ai jamais vu quelqu'un qui vient de la Mecque. Je vais, je téléphone à mon frère, je dis je viens. Comme la maman est venue, je vais la visiter. Non, ne viens pas. Pourquoi je ne viens pas? Non, ne viens pas. Alors je vais venir. Ce que vous allez faire, vous n'avez qu'à le faire. Première chose d'abord, à la veille, je dois envoyer l'argent pour qu'on paye le billet de ma maman. Ils ont volé mon sac. Quelque chose qui ne passe jamais en Suisse. Ils ont pris mon sac dans le train avec tous mes documents dedans. Comment je peux envoyer l'argent? J'ai téléphoné à ma maman en pleurant. Dis à tes enfants, ils ne vont pas m'avoir. J'ai décidé que tu vas à la Mecque. Tu vas aller à la Mecque. Et Dieu a réalisé ça pour moi. Amen. Et maintenant, ma maman est venue. Toujours, il y avait quelqu'un. J'envoie l'argent pour qu'on arrange la maison. Ma maman, elle est venue, elle est rentrée dans le chantier. Elle rentre de l'aéroport à la maison. Personne n'allait le chercher. Il faut que moi, je donne le programme. Comment je peux donner le programme? Je suis en Europe. Comment je peux connaître le programme de l'Afrique? Comment? Je vais te guérir. Voilà. Maintenant, j'ai vécu des choses. Je me suis mariée. Quatre fois. T'as fait quoi? Mariage quatre fois. Un, deux, trois, quatre. Oui. Je m'en dis à quoi? Mon dernier mariage, c'était avec un Ivoirien. Avec un certain Touré. Ah, c'est Touré. C'est Touré. Moi, je sais qu'est-ce que j'ai vécu dans ça jusqu'à aujourd'hui. Comment on s'est séparé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une copine qui regarde les vidéos. Elle m'a dit, ah si, il faut regarder. Elle m'a donné le nom, j'ai commencé à regarder et j'avais plus parce que je ne peux même pas m'acheter un baguette. Où je suis là. Ma vie est par terre. Je ne sais pas. Mais tu t'en souviens en Suisse? Oui. Mais c'est un pays très riche. Ouais. Ça va. Ça va casser. Maman, Tanakasi, si tu demandes quelque chose à Dieu, que ça t'a dans les coups, faut pas pleurer. Si tu demandes quelque chose à Yahvé, que ça t'a dans les coups, faut pas pleurer. Faut pas pleurer, il va donner. Faut pas pleurer, il va donner. Thank you.
c'était une vidéo de prophète. Et comme je ne pouvais pas payer mes factures, j'ai arrêté. Oui, je ne pouvais pas. Même ma maison, c'est quelqu'un qui est venu payer ma maison. Je ne sais plus comment vivre. J'ai dit, maman, je suis perdue. J'ai dit, Dieu, ce que j'ai fait, c'est pour ma maman. Pour ma maman, toute la souffrance que j'ai vue, c'est pour ma maman. Aide-moi. Aide-moi, ne m'abandonne pas. J'ai commencé à regarder les vidéos. Mais depuis que j'ai commencé à regarder les vidéos, je ne dors pas. Je ne mange pas. Je ne fais rien. Mange pas. Si ce n'est pas le cas. Vraiment, mange pas. Je suis avec la sette là, le caméra. Tu regardes la vidéo. J'ai dit, Dieu, fais-moi tout pour que je croie ce monsieur. Amen. J'ai téléphoné à mes amis des Ivoiriens. Ils me disent, ah, laisse tomber ça. Ouais. Si tu vas là-bas, ils vont. J'ai dit, je m'en fous. Je vais y aller. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, mais je vais y aller. Maintenant, j'ai commencé maintenant à téléphoner et je vois maintenant sur les vidéos. Ah, je vais venir à Tour de l'Europe. Et je dis, ah bon, d'accord. On va se voir. J'ai décidé maintenant, je vous l'assure, c'est quelqu'un qui a payé mon billet pour venir. Je vous l'assure, c'est quelqu'un qui m'a donné 100 francs suisses pour que je puisse venir, pour que je puisse manger. Je vous l'assure, je sais, aujourd'hui, je ne peux même pas envoyer un franc à ma maman. Sans moi, elle m'a dit. Quelque chose, on m'a fait sortir des canaris dans ma maison. Deux choses, il y a encore un qui reste. Je suis devenu fort ici. Merci, ma carte de visite. À tout mon compagnon. Merci. Amen. Merci, merci beaucoup. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci, merci. Choisi. Vous allez me critiquer, mais c'est lui qui m'a choisi. Elie est la donna à mon mari et moulo, et moulo, bibi à au pama. À mon salaire, à mon salaire, à mon salaire. Yeah.
chanson de Zoukou Gospel. Ça c'est dit chez nous, hein. Ça c'est hymne national chez nous. C'est mon appel, j'explique mon appel. Vous allez me dire, Bandé, ce n'est pas moi qui ai choisi d'être prophète. C'est lui. Ce sera que les signes, les prodiges doivent accompagner mon ministère. Ah, c'est comme ça. Toi, tu es vrai prophète, tu ne délis pas sorcier. Celui qui dit le faux, il délit 8474 sorciers. De toi est loué la vérité. Parce que Jésus dit, les miracles accompagneront vous, vos œuvres. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, les miracles m'accompagnent. Amen. Toi, t'as quel miracle? Jésus a donné Kangwale. Jésus a donné. Jésus a donné Kangwale. Jésus a donné. Jésus a donné Kangwale. Jésus a donné Kangwale. C'est vrai que Jésus revient très bientôt.